Hello les jolies, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver chez B&M. Et on est du côté de Vandenheim. Alors par ici, on a des arrivages pour l'été. Regardez, on a des jolis torchons qui sont vendus par 3, torchons gaufrés. À 4 euros les 3, c'est du 45 par 65. On les a aussi en beige ici. Et ça, c'est un espèce de vert, gris-vert. Les petits mots décoratifs, ils sont à 1,50€. On a ici des pêle-mêle en bois de manguier. Avec 3 positions à 8 euros. Plateau de service, celui-ci, alors tiens, il est pas mal d'ailleurs. Il est tout en céramique. Il coûte 9 euros. Normalement, ça coûtait 13. Et là, on a des jolis miroirs à 5 euros au lieu de 8 euros. Bon, j'ai pas le diamètre. Je pense que ça doit faire peut-être 30. Les bouteilles que vous voyez là, elles sont à 3 euros. Donc, c'est des bouteilles en verre, 1 litre. Et on a ici des plantes grasses artificielles à 3 euros. D'ailleurs, je vous ai montré le palmier, mais je ne vous ai pas donné le prix. Il est à 8 euros. Petit palmier en 30 cm de hauteur. Et si on veut se rajouter un plateau en raffia, en jacinthe d'eau, pardon, c'est 10 euros. Alors, est-ce que j'ai la dimension? Il fait 40 cm de diamètre. Par ici, on a des petites serviettes de plage en microfibre, 1,50 m par 80 à 3 euros. Et à côté, on peut apercevoir là des grands vases bouteilles à 12 euros. Ils sont jolis d'ailleurs. Les bros, les pichets, ils sont à 3 euros au lieu de 5 euros. Vous voyez, non, ils sont normalement à 5. Mais là, on a une remise à 3. Pas mal, hein? Il y a quand même pas mal de trucs chez B&M. Ce que vous voyez là, c'est des dossiers. Si vous avez un salon de jardin en palette, c'est des dossiers à 25 euros. Alors, attendez, regardez les... Non, ça, c'est le matelas, ça. J'ai qu'un prix, moi. C'est 1,20 m de longueur par 40. Il y a écrit dossier en fait sur l'étiquette prix et il y a écrit matelas sur le matelas. Ah, c'est peut-être ça le matelas, il a l'air plus grand, mais alors du coup on n'a pas le prix du matelas. Bon. En tout cas, ils sont super bien épais. Hein. Ils font 25 cm d'épaisseur. Allez, quand même un petit aparté ici sur les nappes. Les nappes en. En papier, on a ici la nappe à 10 euros en damassé. C'est celle-ci, je crois. Indéchirable, résiste à l'eau. Oui. Alors, elle fait 1,20 m par 6 mètres à 10 euros. À 18 euros, c'est le grand rouleau que vous voyez là de 20 mètres. Et après, on a les gaufrets comme ça, là, qui sont à 9 euros. Et là, on a 20 mètres aussi. Allez, je vais aller faire un tour dans les rayons. On va voir un petit peu ce qu'ils ont de nouveau. Ah, ben voilà, ça c'est très bien ça. Destructeur d'insectes, moustiques, pour 30 mètres carrés à peu près, ça coûte 30 euros. Il ne reste plus qu'à voir si c'est efficace. Mais c'est vrai que là, on va partir sur la saison des moustiques. J'espère qu'on ne va pas trop se faire assassiner. On a le petit comme ça, pour des pièces jusqu'à 20 mètres carrés à 15 euros. Tiens, si vous cherchez un joli banc, on a deux couleurs. Ça coûte 50 euros celui-ci, en aspect rotin. Et il y a deux places, je crois. Hein. Vous l'avez en marron aussi derrière, vous voyez. Je cherche la dimension. Il fait 1,12 m de longueur. Ils ont aussi ces fauteuils. Je vous en parle tout le temps. Ils sont à peu près dispo dans toutes les enseignes. Par contre, chez B&M, ils sont à 14 euros seulement. Je trouve que c'est un bon prix. Et si vous cherchez des fauteuils pour votre jardin en PVC noir, je vous montre cela parce que moi, je les aime bien. Je trouve que quand on a du monde, c'est vite nettoyé, vite posé. On est bien dedans. Ils sont à 6,90 euros au lieu de 7,90 €. Parce qu'on passe devant, regardez ce qu'on a pour les apprentis bricoleurs. C'est trop chou, ça coûte 15 euros. Voilà, pour initier les plus jeunes, s'il y a une passion maçon, c'est parfait. Alors, côté déco, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de nouveautés. On a ces donuts doubles. Je pense que ça se met plutôt comme ça, d'ailleurs. C'est des vases. Ça coûte 6 euros. Par ici, on a des rideaux voile. Avec, c'est des libellules qu'on voit dessus, non? Ça coûte 9 euros le voile, 1,40 m par 2,40 m. Le rideau en gaise de coton, il est à 15 euros. 1,32 m par 2,40 m. Alors là, j'ai trouvé un beau coussin. Il est super beau. La couleur, il est bien volumineux. Il est à 12 euros. Et regardez, de l'autre côté, il est comme ça. Sympa, hein? Franchement, super sympa. On a également ce coussin tout en coton à 10 euros.
Et si vous aimez le gaze de coton, on a des maxi comme ça en 60 par 60 à 12 euros. C'est un rose orangé. Ça, c'est pas nouveau, ces coussins nœuds. Ils sont à 10 euros, ils font 40 cm, 30 cm de diamètre, je vous dis des bêtises. Regardez ces jolis paniers en naturel, ils sont superbes. Hein. Ils sont à 9 euros. Est-ce que j'ai la dimension exacte? Non. Mais ils sont vraiment très beaux. Et à côté, on a celui-ci avec le macramé tout en coton à 7 euros. Bougie parfumée à MAM. Alors celle-là, c'est pas pour blaguer, il y a 4 mèches. C'est 15 euros la bougie. On a volupté et sensation. Et si j'enchaîne par ici, dans un autre style, on a un coussin comme ça, en 30 par 50, à 7 euros. Tout en coton aussi. C'est le coussin Alfie. Et un dernier coussin pour la route, après, sinon ça serait une spéciale coussin, ça va vous saouler ça. C'est celui-là. Regardez la maille, comme elle est. Par contre, j'ai pas le prix, voilà. Comme d'hab, hein, moi, j'ai jamais de prix pour les gens qui me rejoignent. Pour les nouveaux, d'ailleurs, bienvenue. Mais voilà, j'ai souvent une galère de prix. Je ne sais pas pourquoi, c'est mon destin, c'est comme ça. Allez, on s'en va un peu plus loin. J'arrive vers l'espace cuisine. On a des essoreuses à salade. Mais celle-là, elle est rétractable, les gars. Donc, vous voyez, pour la ranger, ça prend pas beaucoup de place. Et ça, on adore. Elle est à 8 euros. Voilà, c'est une essoreuse 4 litres de position. J'ai jamais eu d'essoreuse à salade, parce que justement, je trouvais que ça prenait de la place. Vous savez, celle de l'époque, là, en plastique, le couvert qui se barre à moitié. Mais là, en position rétractable, je trouve ça quand même pas mal. Ah, ils ont rentré ici cette vaisselle que je vous ai montrée sur Haguenau, sans doute. C'est la dernière arrivée. 2,50 l'assiette creuse et 3 euros l'assiette plate. Très, très jolie en céramique. À côté, dans un autre style, on a cette collection. Ah, il n'y a plus l'assiette creuse. Il n'y a que l'assiette plate à 3 euros. Si vous avez besoin d'une planche à découper avec des couteaux, on a un ensemble là à 13 euros. Donc avec les manches en bambou, la planche en bois est en bambou aussi. Et là, on a une râpe de cuisine à 4 euros. Pas mal. Donc elle est renforcée avec de la silicone justement pour pas que ça glisse. Et alors par ici, on a toute une tête de gondole avec des boîtes en verre. En verre, couvercle plastique. Bon, ça, c'est pas bien grave. Elle est à 5 euros. Celle-là, elle fait 0,9. On a plus grand à 6 euros qui fait 1 litre 3. Ce qui est bien, c'est qu'elle est transparente sur le dessus. Je trouve ça cool. Et après, on a plus petit en bas. C'est celle-ci qui fait 0,5 à 4 euros. Bon, là, j'espère que vous allez voir. Elles sont sous blister. On voit pas très bien. Mais attendez. Ici, vous avez la soupape d'aération. Qui est bien faite, parce que celle-là, elle est en silicone, donc bien souple pour bien la caler. Des fois, on a la soupape, vous savez, en plastique dur, je trouve ça galère, parce que des fois, elle glisse toute seule. Donc, quand on a un liquide à l'intérieur, c'est pas terrible. Elles sont vraiment pas mal, hein, ces boîtes. En fait, je m'attarde un peu dessus, parce que j'aimerais changer de boîte. J'ai des boîtes en plastique et réchauffer dedans, c'est pas foufou. Donc là, peut-être se positionner. Après, si vous êtes du genre à déjeuner à l'extérieur aussi, tout ce qui est crudité et tout, on a des boîtes, des lunchbox avec deux niveaux. Vous avez deux niveaux ici, on a les couverts à l'intérieur, on a tout ce qu'il faut. Elle est à 6 euros. Bon, ça, c'est du plastique, mais notamment pour les plats froids, ça peut être bien. Et pour finir avec les boîtes, on a ici des lots de 3 à 13 euros. Donc, on a 33 centilitres, 80 centilitres et 1 litre 7. Voilà pour le détail. On va aller faire un tour au mobilier. On va voir s'il y a des nouveautés meubles. Vous savez que j'adore les meubles de chez B&M. Alors, par ici, on a une étagère. Une jolie étagère qui fait 50 cm de diamètre à 13 euros. Donc, les tablettes sont en effet chêne clair. Et on a une structure dorée. Je pense qu'il n'y a que du doré. Je vois pas de noir. Si vous avez besoin d'un petit module pour le rangement, on a ici... cette penderie à 40 euros qui fait 97 de longueur. Elle est grande, hein, presque 1 mètre de longueur, 1,70 m de hauteur. Voilà, avec les deux tablettes. Et là, il y a un autre format si vous préférez avec des étagères sur le côté. C'est le même prix. Hein. Elle est plus petite en hauteur. Elle fait 1,50 m, mais en longueur, elle fait 1 mètre. Ce meuble, je crois que je vous l'ai déjà montré, il est en promo. C'est un meuble à 50 euros au lieu de 70 euros. Donc tout en métal,
et il fait 90 de longueur, 72 de hauteur. Et pour les meubles, c'est à peu près tout. J'espère que cette vidéo vous a plu, les jolies. Si c'est le cas, je vous invite à la liker. On se fait plein de bisous. On se retrouve plus tard dans un autre magasin. Prenez soin de vous. À plus.